Shalom uvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Toldot et la Chassidut. Et est-ce que vous voyez que, Baruch Hashem, que même si on a souffert, eh bien de ces souffrances sont sorties beaucoup de choses qui sont positives. Comme par exemple le Covid. Ce Covid-là, c'est vrai qu'on a souffert pendant un an, c'était une pandémie, il y a des gens qui sont morts. Mais ça a développé des choses dans le monde, comme par exemple, comment on appelle ça, tout ce qui est téléphone. Les gens, ils se contactent plus par téléphone, ils se voient en vidéo, à distance. Ça a développé cette distance-là de proximité par distance. La même chose dans les guerres. Beaucoup, il y a eu de guerres dans le monde. Et toutes ces guerres qui ont été dans le monde, elles ont créé à la fin un certain de paix. Donc ça veut dire il y a des choses qui se sont impliquées, qui sont mauvaises et qui ont créé, en fin de compte, un système de paix, un système de, comment on appelle ça, de politique qui est pacifique. Bien sûr, ça dépend quel pays on est d'accord, mais c'est-à-dire les pays qui ont été en guerre comme l'Europe et tout ça, eh bien, ils ont, en fin de compte, créé l'ONU, créé des choses qui sont bien sorties. Alors, allez-nous la même chose, quand on est sorti de la Shoah, eh bien, on a mérité la terre d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'ils ont toutes les nations, ils ont été d'accord, ou la majorité des nations, en tout cas, ils ont été d'accord? Parce qu'ils ont vu le sévice qu'il y a eu et qu'on n'avait pas de protection qu'une terre. Donc, c'est pour ça que ils ont été d'accord, même si c'est la Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette terre. Mais ils ont été d'accord. De là, on voit quelque chose d'intéressant. C'est que dans le Gvoul, c'est-à-dire dans la petitesse, dans la difficulté, des fois, ils sortent des grandes choses. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Et il y a une chose autre intéressante aussi qui pose le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il dit, c'est bizarre, regardez, Yaakov, on lui a changé son nom. Avraham, on lui a changé son nom. Yitzhak, dans la parasha de la semaine, on lui a pas changé son nom. Pourquoi est-ce que Yitzhak, on lui a pas changé son nom alors qu'Avraham, on lui a transformé de Avraham en Avraham et Yaakov, on lui a rajouté Israël? Autre chose, et là, quelque chose de plus pertinent encore. On sait très bien que l'argent, ça fait référence au chesed, à la bonté. Ça fait référence à la douceur. Alors que l'or, ça fait référence à la rigueur. La chéla, comment ça se fait que dans nos vies, eh bien, on considère, et le prix de l'or est bien, bien, bien plus élevé que le prix de l'argent. Arrêt, l'argent est censé être du chesed, du bon, de la miséricorde. Et donc, normalement, ça devrait être plus cher et plus recherché que l'or. Alors que l'or, on sait très bien que dans l'or, il y a à l'intérieur du rouge. Dans l'or, il y a à l'intérieur des, comment on appelle ça, des métaux qui font en sorte qu'il y a cet ascendant-là à la rigueur. Ça, c'est la question qui pose le Ohev Israël de Apta. Donc ces deux questions, fort de ces deux raisonnements-là, de ces deux questions, de ces deux grandes sadiques de Chassidut, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov et le Rabbi de Apta, l'Ohev Israël de Apta, eh bien, on va essayer de répondre à une profondeur et un secret que eux-mêmes répondent de façon extraordinaire, mais pas avant cette petite histoire. Il était une fois un monsieur, que ce monsieur, il est venu prier il était un peu riche, il est venu au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrive au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, il commence à prier, et il prie, et il prie, et puis il voit devant lui une petite boîte, dans cette boîte, une petite enclure, et il voit qu'il y a des bouts de papier. Il se dit, qu'est-ce que les gens, ils prient, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils prient? Il ouvre un bout de papier, et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, intercède auprès de Akadosh Baruch Hu, regarde, j'ai besoin de $36,000 pour le mariage de ma fille. Bon, lui, il rigole, il dit, c'est quoi, il demande à Rabbi Shimon Bar Yochai $36,000 comme ça, c'est vrai que Rabbi Shimon Bar Yochai va lui amener. Il était un petit peu mezalzel, c'est-à-dire qu'il est dénigré un petit peu la force du tzaddik. Il a dit, tu es là, je vais me faire une petite blague, je vais me faire une petite ambiance. C'est quoi, il lui a fait l'ambiance? Il a dit, je vais lui écrire un chèque, et en bas du chèque, je vais signer Rabbi Shimon Bar Yochai, et il met Rabbi Shimon Bar Yochai dessus, sur le chèque. Bon. Très bien, il envoie ce chèque, il y avait là-bas le monsieur de l'adresse, son numéro de téléphone, et donc il met dans une enveloppe le chèque, il ferme le chèque, et il envoie. 3 semaines après, il voit qu'il y a dans son compte moins $36,000. Est-ce que ça c'est $36,000? Il avait complètement oublié toutes ces histoires. Il demande à la banque, il dit, c'est quoi $36,000? Il dit, écoutez monsieur, vous avez fait un chèque de $36,000, tout simplement, c'est parti. Je lui ai dit, mais... C'est pas normal, je me rappelle maintenant que j'ai écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, je peux avoir
la photo du chèque. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui envoie la photo du chèque. Il voit le chèque. Et en bas, il y avait marqué 36 000 dollars. Et en bas, à la place de ce que lui, il voulait faire une blague, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a marqué sa signature. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué sa signature. Bon. De là, on voit qu'il s'est trompé. Mais mec, il a fait de façon à ce que ça soit, maintenant, de façon à ce que ça soit de façon habituelle, mais sa signature. Là, il a mis sa signature. Au début, il voulait mettre la signature de Rabbi Shimon Bar Yochai, en tout cas, écrire Rabbi Shimon Bar Yochai. En fin de compte, il a appelé la personne, il a dit je te donne avec bracha, avec roulé. Des fois, on voit que dans les difficultés, la personne, les difficultés, elle voit des miracles extraordinaires. Et de la difficulté, elle sort des choses extraordinaires. Il dit pire encore. Et Rabbi Levi Tzrak de Berdouchav, Elohav Israël Me'Avta. Ils disent que à l'intérieur de la difficulté, c'est-à-dire à l'intérieur de la difficulté, c'est là-bas que se cache un chesed, un grand chesed. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé au début de la création du monde. Au début de la création du monde, Kadosh Baruch Hu, il a voulu donner sa lumière. Or, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est énorme. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière intense. Comment tu vas pouvoir recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu? Et là, il faut une condition, que cette lumière, elle se rétrécissent, elles se diminuent. Une fois que cette diminution de lumière, elle pénètre dans le monde, eh bien, elle pourra arriver à toi. C'est exactement aussi dans nos souffrances. Quand HaKadosh Baruch Hu nous envoie une difficulté, que ce soit la voiture, que ce soit la famille, que ce soit, eh bien, toutes ces difficultés, elles sont là. Pourquoi? Pour nous donner une lumière qui va venir après, comme l'or. C'est vrai que l'or, on préfère l'or que l'argent. Donc pourquoi l'or? Pourquoi alors que l'argent c'est censé l'argent est censé être plus chesed? Non, pourquoi? Parce qu'on veut cette comment on appelle ça, cette ce chesed qui sort après de la difficulté, ce bon là qui sort après le après la a, après la, la restriction. Parce qu'en vérité, dans cette restriction se cache Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Avraham, on lui a changé son nom. Avram, il est venu avec Amon Goïm. Avram, le grand des pères. Avraham, on lui a rajouté, on lui a changé son nom. Son nom, il a fait en sorte que du fait que tu lui as changé son nom, eh bien, il a réussi à diminuer le flux divin. Yaakov aussi, exactement la même chose. Il a fallu lui mettre le nom qui s'appelle Israël pour diminuer le flux divin. Maintenant, Yitzhak, lui, de toute façon, il était comme ça. Il était un homme de restriction. Vous voyez, on ne vous parle pas beaucoup de Yitzhak que cette paracha de la semaine, peut-être un petit peu dans la paracha d'après, mais c'est tout. Alors qu'Abraham, on avait 3-4 parachiotes avant, Yaakov encore 3 parachiotes, après vous allez voir Yosef encore 3 parachiotes. Donc Yitzhak, lui, il est, du fait qu'il est déjà restriction par essence, eh bien c'est de cette restriction-là que la lumière étincelante, elle va sortir. D'ailleurs, le Mashiach, par quel mérite il vient? Il vient par Yitzhak, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat Daf Pei, Amud Alef. Il est marqué là-bas que Akadosh Baruch Hu, il est venu voir Abraham, il lui a dit, je vais tuer tes enfants, et à la fin des temps, il lui a dit, si c'est ta volonté, il est parti voir Yaakov, il lui a dit, c'est tes enfants. Il a dit, bon, je vais pas ni demander aux vieux, ni demander aux jeunes, je vais demander au ciel du milieu. Yitzhak lui a dit, comment c'est tes enfants? C'est pas mes enfants, c'est tes enfants à toi. Et en plus, et combien ils font des Averot? Ils font des Averot, combien? Ça prend combien de temps là? Il y a le matin et toute la journée ils travaillent, l'après-midi ils font ça, il reste combien de temps? Je prends la moitié sur moi, tu prends la moitié sur toi. C'est-à-dire que cette rigueur, elle a fait en sorte que les rigueurs qu'on a dans le monde, eh bien, elles sont là pour dévoiler le grand chesed qu'il y a derrière. Et celui-là, si la personne qui arrive à comprendre ça, et que à l'intérieur de la difficulté, il arrive à comprendre le chesed qu'il va avoir après, ou qui est en train de se sortir dedans, eh bien, Be'ezrat Hashem, il peut voir déjà Kadosh Baruch Hu, et c'est ça ce que comment on appelle ça, ce qu'on aspire. Et on a répondu à toutes nos questions en espérant, Be'ezrat Hashem, que ça puisse rentrer à l'intérieur de notre cœur. Baruch Adonai, l'Olam HaMelech.